Bonjour. Bonjour et merci. Merci à vous d'être là pour préparer la journée internationale de la paix. Merci à vous d'être là pour découvrir ce cinquième outil ou cette cinquième idée de la boîte à outils de la journée internationale de la paix qui se fête le 21 septembre 2020, 2021, 2022, 2023 et au sein de l'équipe du Centre international de recherche et de formation de l'ONG Paix et Bienveillance en Action, notre idée est que cette journée soit le premier pas vers une année internationale de la paix. Car nous pensons que la paix, ça se vit au quotidien, ça se vit dans tous nos gestes quotidiens, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos intentions. Et donc aujourd'hui, je vous présente, je suis là pour vous présenter cette cinquième idée qui est le soleil de gratitude, le soleil de cadeau, le soleil de... Je vous envoie des pensées de bonheur, je vous envoie des intentions de plaisir, je vous envoie des intentions de joie, des intentions d'amour, des intentions de paix. Je suis uni dans le cœur, en conscience, avec vous. Et c'est aussi à ça que sert ces gestes et cet outil. Une grande chaîne de solidarité. Et on vous propose le jour de la Journée internationale de la paix de vous rassembler avec des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, de faire connaissance avec ces personnes-là et d'avoir une petite feuille ou une grande feuille, ça dépend, hein, si vous êtes nombreux. Si vous faites ça dans une classe, eh bien, c'est la même organisation, on prend une feuille et chaque enfant qui se trouve dans la classe ou chaque personne qui se trouve là réunie autour de l'arbre de paix ou à l'endroit que vous avez choisi pour fêter cette journée, eh bien, cette personne dessine un grand cercle et trace une ligne qui représente chacune des personnes qui se trouvent là avec vous. Chaque ligne est en fait un rayon de soleil. Et puis, chacun inscrit dans le cercle, dans la zone centrale du soleil, son prénom. Et puis ensuite, chacun laisse la feuille là, se lève et se déplace. Et chacune des personnes vont écrire sur un des rayons de soleil un compliment. Une intention de gentillesse par rapport à la personne qui a écrit le prénom dans le rond. Et ainsi de suite, on passe de l'un à l'autre dans le grand silence. Et c'est aussi à ça que sert le jeu que je vais vous montrer juste après, car cela permet, avant de commencer tous ces voyages, pour remplir ce soleil de gratitude de chaque personne qui se trouve là, dans l'instant, avec vous, pour fêter cette célébrer cette journée internationale de la paix avec vous, eh bien, je pense qu'il y a un moment de recueillement intérieur pour amener cet état d'équilibre psychophysiologique de paix intérieure. Et donc, je vous invite à pratiquer ce jeu de respiration en conscience dans le cœur, tous ensemble, au rythme de la musique, si vous le souhaitez, hein, de façon à nourrir l'âme et à vivre bien sereinement ce moment. Donc une fois que ce jeu de respiration est fait, eh bien chacun se lève et va écrire un mot, une phrase, un compliment pour toutes les personnes présentes. Et on se déplace de soleil en soleil, pour, une fois qu'on a terminé de faire tous ces cadeaux, d'offrir toutes ces merveilles, toute cette joie, toute cette beauté du cœur, eh bien, on revient à son propre soleil et on reçoit les cadeaux de toute l'assistance. C'est un jeu excessivement puissant. Les témoignages que nous en avons, c'est des larmes de gratitude. Quand, en fin
fin d'année, parce que parfois l'instituteur fait ce jeu durant l'année, et puis au moment où il remet le bulletin, il offre le soleil de gratitude qui est resté là en classe durant toute l'année. Hein, vous pourrez voir des photos dans l'article qui se trouve ici en dessous, et de comment faire pour justement garder ce soleil où les enfants vont régulièrement relire leur soleil de gratitude. Et lorsque l'instituteur partage ce soleil au moment de la remise du bulletin en fin d'année et montre ce soleil de gratitude aux parents, je peux vous assurer que c'est toujours, selon les instituteurs, des grands moments d'émotion. Donc, je vous laisse découvrir ce moment, je vous laisse vivre ce moment ensemble, le jour de la Journée internationale de la paix. Et maintenant, mais place à la musique. Je vais faire le jeu dans son entier. En dessous, je vais mettre l'article qui explique les quatre étapes, de façon à ce que si vous découvrez cette vidéo, vous puissiez comprendre le rythme des quatre étapes. Si vous avez déjà vécu des jeûnes respiration inconscients dans le cœur avec nous, vous les connaissez, donc tout va bien se passer. Et la première étape, je vais quand même vous la décrire parce que mais ça n'est pas visuel et vous pourriez peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est très simple. La première étape, c'est se poser, c'est se mettre dans un état de détente et d'imaginer que de vos deux pieds posés bien à plat sur le sol s'enfoncent des racines dans le sol. Et que ces racines vont se nourrir de paix, vont se nourrir de joie, vont se nourrir d'amour, vont se nourrir de compliments, vont se nourrir de cadeaux, vont se nourrir de bien-être, vont se nourrir de plaisir, vont se nourrir de toutes ces choses qui font du bien à soi et aux autres. De façon à ce que ce soleil rayonnant se prépare. Donc voilà, vous savez ce qu'on attend, enfin, ce qu'on va vivre ensemble, parce que ces racines vont s'enfoncer, et comme pour les arbres, ces racines vont se relier entre elles, et nous allons pouvoir vivre avec ces centaines de milliers d'enfants qui, partout dans le monde, vivent déjà ces jeux de respiration en conscience dans le cœur. Donc voilà! Bon moment à vous, bon moment de partage et maintenant, place à la musique. Shine your light and
And shine your heart. You are a radiant starlight, and raise your light and put your hand. And say I love you, I love you, and close your eyes, feel your breath beneath that beautiful heart. Yes, there's a beautiful heart in your chest. Merci. Merci à vous pour ce moment. Ce grand moment de qualité. Merci à vous pour tous ces soleils de gratitude que vous allez générer dans le monde. Et à très bientôt.